Bon, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Donc, vous travaillez à Radio Sinaï FM. Oui, je suis à la Radio Sinaï FM. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, à l'état civil, je m'appelle Diarmado. Et je m'appelle communément Philly Robert. Diarmado Philly Robert. Ok, alors, d'accord. Je suis animatrice et secrétaire à la Radio Sinaï. D'accord. Depuis 2006. Depuis 2006. Très bien, merci beaucoup. Bon, vous connaissez le projet. En quoi a consisté votre travail au cours de ce projet-là à la radio? Voilà. Il faut dire que tout d'abord, quand le projet a commencé, avec les différents organes de production, comme Shigata et autres qui sont dans la production de la NACAD, ils sont venus nous voir dans le but de nous demander de transmettre les informations concernant tout ce qu'ils vont faire dans la production de la NACAD. Depuis le défrichement des terres, jusqu'à la production, jusqu'à la vente et tout. Et pour cela, quand même, on ne peut pas organiser un champ ou bien une production sans qu'il y ait des bailleurs de fonds, des grands, voilà, qui sont à la base comme vous, Ronja, il a des formations, Miss Europe, voilà. Et donc, je suis habituée à ces noms parce que les informations sont venues à notre niveau. Et comme nous sommes une radio locale qui va très loin par rapport aux autres, alors on a été sollicité. Et nous avons eu à diffuser les informations. Après, quand même, certaines formations où j'ai eu à participer pour me permettre d'être imprégné quand même des thèmes techniques agricoles. D'accord. Voilà. Et je crois que ça m'a permis de rédiger moi aussi quand les textes nous viennent d'Abidjan, déjà traités. Je peux aussi peut-être en une page avec mon directeur résumer pour que ce soit quand même accessible et en français pour maintenant donner à celui qui le fait en langue. D'accord. Voilà. Et comme dans le nord, c'est le sunfo qui est beaucoup qui est primé, alors donc on le peut passer en sunfo. D'accord. Et en français. D'accord. Et est-ce que vous pensez que ce projet-là, ces informations-là, ont aidé un petit peu les producteurs là, en milieu rural? Oh, je dirais même beaucoup. D'accord. Parce que la plupart de nos communiqués vont dans les confins des villages. Et là-bas se trouvent les producteurs. Les sonifos sont en partie des paysans producteurs. Et l'ANACAD est quelque chose qu'ils faisaient avant. Mais ils n'avaient, c'était pas pris en compte comme vous le faites maintenant. D'accord. Donc, dès qu'ils ont entendu, et la radio Sinaï, il faut dire que est une radio qu'ils aiment très bien. D'accord. Parce que, d'après eux-mêmes, le feedback nous est revenu du fait que nous transmettons très bien les communiqués. Nous le faisons, c'est assez clair, il n'y a pas de bruit. Et avec notre méthode de travail, nous sommes quand même assez bien écoutés. D'accord. Et alors, donc, comme le Sunfo est beaucoup paysan et puis il aime beaucoup notre radio dans le but de faire les communiqués des funérailles, c'est-à-dire les avis de décès. Alors, comme ils sont habitués à la radio Sinaï, dès qu'une nouvelle arrive à leur oreille par rapport à la radio Sinaï, ils sont déjà enchantés. Et je vais vous dire qu'ils nous appellent souvent, ils nous appellent souvent pour nous demander, quand bien même le message est passé, ils nous appellent souvent pour nous demander, mais vous avez parlé de la NACAD, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut prendre des informations. Donc, moi, le numéro des correspondants, comme Shigata, voilà, et puis bon, ils s'entretiennent avec la maison qui représente votre association. D'accord. Voilà. Ok. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Pour toutes ces précisions. Merci, voilà. Ok. À bientôt, merci. Ok. Merci.